bonne mémoire et mon bras. Oui, faut aller, oui, faut aller. Oui. Gamine de Blondine ne pourra plus jamais décorer quoi que ce soit quand j'en aurai fini avec elle. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Grismine? Nous allons finir de mettre au point ma nouvelle machine à grisaille. Allons-y. Grismine! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais on va bientôt en savoir davantage. Oh! Je vais avoir presque terminé, elle va être prête. Oh, c'est vrai, c'est vraiment presque terminé. Mais au fait, qu'est-ce qui est presque fini, Grismine? Ma machine à grisaille, cervelle de petit oiseau. Elle va transformer toutes ces paillettes lumineuses en gris sinistre. Jamais ils ne seront capables de retrouver la couleur. On sonne à la porte. Dis, Grismine, personne n'a jamais sonné à la porte avant. Gros pouf, la machine n'est pas encore tout à fait prête. Alors, qui que ce soit, arrange-toi pour les occuper encore un instant. D'accord, je m'en charge. Je pourrais leur proposer de jouer. Allez, allez, bon sang. Tiens bon, Grismine, j'arrive. Oh, pas de panique, je vous ouvre tout de suite. Vous faut-il donc tant de temps que ça quand vous devez ouvrir à quelqu'un? Alors faites-moi entrer, je vais pas rester toute seule dehors, hein? Alors, vous aimeriez faire une partie de football? Portez ça dans ma chambre et que ça saute! Ça y est! Et hop, les un gros pouf! Mais le voilà! Le voilà enfin, mon petit garçon chéri! Ah, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Hein? Grismine, mon mouton! Grismine, mon petit cœur adoré! Mamie! Oh, c'est pas grave! Oh, Grismine, mon petit Grismine! Tu ne m'as jamais écrit, Tu ne m'appelles jamais. Oui, oh ben tu sais, je sais pas écrire, mais j'étais très occupée, j'ai tant dit. Je tenais à venir pour voir comment tu allais. Viens, bon, alors c'est très bien, alors je suis ravi de t'avoir revu, alors de bon tour. Au revoir, maman. Au revoir. Je ne pourrai jamais abandonner mon garçon dans un endroit pareil. Quel désordre. Je savais que tu n'arriverais jamais à te débrouiller seul. Oh, mais si, ça va. Je possède un château extraordinaire, de superbes voitures, un domestique et cette grosse bouffe. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en tenue de travail? Va te changer. Ah, d'accord, Grismine. Monsieur Grismine, bougre d'imbécile. Si tu es si riche que ça, comment peux-tu vivre dans un endroit aussi sale? Comment? Eh ben, j'y habite, et voilà tout. Monsieur Grismine, regardez ce qu'on voit par la fenêtre. C'est un délicieux enfant.
vous qui m'a conduite jusqu'ici. Elle a l'air de s'en aller. C'est notre chance de plonger à jamais le pays de l'arc-en-ciel dans les ténèbres. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de nous procurer des paillettes pour la machine à grisaille. Et cette fois, il n'y aura pas de Blondine à l'horizon pour nous arrêter. Au revoir, jolie petite fille. Adieu, Blondine. Bon voyage. Adieu pour toujours. Dis donc, Grismine, ce que tu étais mignon, bébé. Oui, c'était un enfant vraiment adorable et facile. Adorable. Cette maison a besoin d'étrangers à fond. Première chose à faire pour que cela soit plus chaud, c'est de te trouver de jolis rideaux. Des rideaux? Des rideaux avec des couleurs vives et gaies. Des couleurs? Ouais, je perds que ça passe la merde. Tu sais que tu aimais vraiment les couleurs étant jeune. Tu étais fou de jeux de coloriage. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui les adorait autant que toi quand tu étais petit. Grismine, tu vas nettoyer chaque trace de peinture que tu as faite, même s'il te faut toute la journée pour y arriver, et même s'il faut toute ta vie, tu entends? Oui, j'y arriverai jamais. Hein. Ta vie entière. Toute ta vie. Toute ta vie. Vous êtes pas bien, monsieur Grismine? Ouais, si, ça va. Mais je déteste les couleurs, je les déteste. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider gentiment à ranger tout ce fouillis? Moi, je vais vous aider, madame. Une seule petite secousse sur la machine à grisaille et c'est l'explosion. Oh, j'ai une excellente idée. Maman, si nous allions nous promener, ce serait très agréable, hein? Et alors nous pourrions trouver quelques mines de ces jolies paillettes, hein? Va devant et dis au chauffeur de venir tout de suite. Tu as bien dit chauffeur, Grismine. Monsieur Grismine. Et vous êtes le chauffeur, monsieur Grismine. Va vite et déguise-toi en chauffeur, espèce de tête de linotte. D'accord, Grismine. Monsieur Grismine. Comment quelqu'un peut-il vivre ainsi avec toute cette saleté autour de lui? Bon, allez, hein, on s'y repartait tout de suite, maman. Tu as tout à fait raison. Allons-y, Grismine. Qu'y a-t-il dans ce seau, Grismine? Oh, c'est juste quelque chose pour un ami que nous irons voir. Attends, combien de fois je t'ai déjà répété de toujours mettre un couvercle pour transporter un seau plein? D'accord. Voilà, ça te va comme ça? Tu devrais vraiment penser à te marier, Grismine, avec une jolie jeune fille comme celle que j'ai rencontrée. Chauffeur! Je suis à votre disposition, monsieur Grismine. Sors la limousine du garage et reste au volant, on arrive. Une petite question, monsieur Grismine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, animal? C'est quoi une limousine, monsieur Grismine? Oh, je suis pris. Sors la voiture et ne discute pas, abruti. D'accord, Grismine. Monsieur Grismine. C'est très bizarre comme ton chauffeur peut ressembler à ton valet, un vrai sosie. Oh oui, hein? En fait, ce sont des frères jumeaux, tu sais, ils sont jumeaux. J'avais pas pensé à ça. Regarde un peu toutes ces variétés de couleurs. Au contraire, c'est superbe, on lui fait un vrai plaisir des yeux. Ben, que ça boube bien, pas qu'il est. Grismine, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en fout. Ils ont peur, sans doute, que je les surprenne à ne rien faire. Tu trouves ça normal, toi? De quel droit tu les surveillerais? En fait, ce pays de l'arc-en-ciel m'appartient aussi. C'est moi qui commande ici. Tous ces petits enfants multicolores, tous ces petits lutins, eh ben ils travaillent tous pour moi. Et même cette jolie petite fille qui te plaisait tant, eh bien elle aussi, elle doit m'obéir, comme les autres. Je règne sur tout ce domaine. Moi, tu peux t'arrêter là, nous sommes arrivés. Oh, le château de l'arc-en-ciel, Grismine, ce serait une folie d'y entrer. Non, monsieur Grismine.
Te voilà. Grismine! Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Sortez de là tout de suite! C'est alors sa maison? Grismine, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est magnifique, vraiment. Oui, c'est très beau, oui. Et ça va être encore plus dans quelques temps. Et maintenant, monsieur Grismine, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit notre promenade plus loin? Continuer à faire de la route? Pourquoi faire? Nous allons nous arrêter et rester ici. Après tout, il faut que je surveille ce qui se passe ici. C'est un devoir quand on est le maître. Et... oh, oui, décorer tout cela avec beaucoup de goût. Tu as toujours tant adoré les couleurs depuis ta jeunesse, c'est normal. Ah oh, oui, oui. Mais dépêche-toi donc. Prends-en le plus possible. D'accord, Grismine. Oh, monsieur Grismine. Allons, petite paillette. Amplifiez-moi vite ce saut. Oh mon Dieu, est-ce qu'on va s'amuser toutes ces belles couleurs que nous allons pouvoir créer nous-mêmes, youpi. Malheureux, pas celle-là. Essaie de comprendre un peu. Quand tu les auras plongées dans le seau, plouf, adieu leurs belles couleurs. Elles deviendront ternes et sombres. Ça sera laid. Il faut absolument prévenir Blondine d'urgence. Il n'y a qu'un seul moyen pour la contacter. C'est de brancher les cristaux électroniques. Mais comment y accéder? Il faudrait faire sortir Grismine. Il n'y a pas de temps à perdre. Ou alors ce n'est fini pour nous et le pays de l'arc-en-ciel. Le pays de l'arc-en-ciel n'existera plus jamais. Et toi, ne t'arrête pas, continue, mets-en le plus possible. Mais c'est ce que je fais, Grismine. Oh, Grismine, pardon, monsieur Grismine, on va finir par manquer de paillettes dans pas très longtemps. C'est vraiment beau quand même, ces paillettes qui brillent. Psst, écoute, je viens d'avoir une idée géniale. Ah, d'accord, je vais te chercher un seau. Bon sang, Grismine, qu'est-ce que je m'amuse bien! Grismine! Arrête de faire toute cette horrible fumée! Tu vas tout salir partout! Oui, j'arrête, Emma! Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, hein? Grand pont! Oh, regarde un peu comme c'est joli, Grismine! On n'a sûrement pas mis assez de paillettes là-dedans. Mais dépêche-toi donc, gros pouf, arrange-toi pour en trouver. Mais monsieur Grismine, je vous avais prévenu, le stock est épuisé, il n'y en a plus. Ah. Ma chère maman, aimerais-tu sortir pour faire des courses, par exemple? Sortir maintenant? C'est une excellente idée, chérie, c'est vrai, j'adore faire des courses. Parfait. Nous avons besoin de tas de choses, des œufs, du pain, du lait, et toutes les paillettes que tu trouveras. Mais où les trouve-t-on, tes paillettes? Tu n'as qu'à aller voir les enfants là-bas et tu leur demanderas de te donner, sans discuter, toutes les paillettes que tu pourras porter. Prends-en le plus possible. Voilà. Et le pays de l'arc-en-ciel deviendra à jamais celui des ténèbres. Ils seront tous anéantis. Ça, c'est ce que tu crois, abominable Grismine. On y est arrivé. Notre plan a réussi. Blondine aura reçu le message maintenant et c'est Grismine lui-même qui s'en est chargé. Si nous pouvions réunir le plus possible de paillettes, mais comment y arriver avec Grismine à l'intérieur? À nous de trouver vite une solution géniale. Excusez-moi, les enfants. Je suis la maman de Grismine et il m'a demandé que vous me donniez... Des paillettes? Mais oui, c'est ça. Tout le monde veut avoir des paillettes. Des paillettes, ça marche. Oh,
c'est très joli, c'est vraiment beau. Tu vas avoir une surprise, va. Des couleurs. Gros pouf. C'est fait, Grismine. Gros pouf, mais qu'est-ce que tu as encore fabriqué, espèce d'idiot. Ah, tout est toujours contre moi. Regarde ça, Mantoline. Blondine a reçu le message. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le répondez. Il est au pays de l'arc-en-ciel. Oh non, raté une chance pareille. Je sens que je deviens fou. J'ai fait mal au point. Grismine, est-ce que tu n'étais pas encore en train de préparer un mauvais coup par hasard? Mais, maman... Oh. Tu ne verras pas se réaliser tes sinistres projets, Grismine. Je n'ai pas encore fini avec le pays de l'arc-en-ciel. Pas encore, gros bon vite. Fais démarrer la voiture, on part, il faut que je mette en route la machine à grisaille. Il ne veut jamais s'avouer vaincu, même quand il sait qu'il a tort. Je ne sais pas ce qu'il mijote encore, mais nous ferions bien de l'arrêter. Blondine, je n'ai pas dit mon dernier mot, tu vas voir. À nous deux aussi, mon petit Grismine, arrête. Tu m'entends, obéis à ta maman. Madame, ne le grondez pas. Écoute-moi. Non. Arrête, s'il te plaît. Sale petite gamine de cauchemar, peste, tiens-le. Tu vas là vite, les paillettes, passe-les-moi. Regarde, Grismine. Oh, my God. J'espère que pour cette fois, ça lui servira de leçon, ce polisson. Espérons-le, madame. Moi, je n'en suis pas si sûre que ça. Merci, en tout cas, de nous avoir aidés, madame. C'était bien normal, mon cœur. Pourquoi ne pas revenir avec nous au château? Oh, merci, mais je ne veux pas. Car je devrais déjà être sur le chemin du retour. Mais avant de quitter votre merveilleux pays, Grismine et moi devons avoir une conversation sérieuse sur certains points. Comme vous voulez, madame Verdouillet, mais sachez que vous serez toujours la bienvenue. Adieu, je n'oublierai pas ton invitation, ma chère, vraiment. Quelle adorable petite fille blonde. Rainbow Bright, pays de lumière, où les petits lutins vivent comme des rois. Rainbow Bright, là où l'arc-en-ciel n'est pas un mystère mais un cri de joie. Rainbow Bright, les jaunes, des rouges et des verts. Rainbow Bright, au-delà du temps, tu resteras toujours l'éternel miroir. Rainbow Bright.